Cette ville où tout est triste, je suis un escargot sinistre. Je me recroqueville et manquiste, je m'ennuie. Je suis coiffeur, secrétaire, mécanicien, bibliothécaire. J'habite la banlieue ouvrière et je m'ennuie. Je m'ennuie. Je voudrais faire autre chose de ma vie. De ma vie, je m'ennuie. Je voudrais savoir comment sortir d'ici. Si vous voulez, là-bas, c'est tout à fait une autre façon de vivre. Toutes les nuits, je rêve que je suis une vache sacrée, c'est bon signe, hein. Vous êtes écolo, quoi. C'est un vrai niagonza, cette communauté. On retrouve les vrais rythmes. J'ai envie de faire l'amour avec toi. Bah écoute, non, si ça peut te rendre service, la vraie valeur des choses simples. J'ai rêvé de toi cette nuit, tu étais nu sur un âne et tu jouais du sitar. C'est sympa comme ambiance ici. Mais c'est quoi comme trip? Écolo, sexo ou mystico? Hein? On prie ou on baise? Sur le plan sexuel, t'es vraiment pas cool, hein. Moi, maintenant, je m'éclate. Touche pas. La drogue. Mais là-bas, c'est le grand air, c'est l'eau de source. T'as pas l'habitude? Si, je pense que... Ça te fait de l'effet sur le plan sexuel? Pas mal, ouais. Et comment ça se passe dans une communauté quand on est plusieurs avec la même fille? Bah, ça dépend, hein. Moi, j'ai connu une commune en Ardèche où il y a des tickets de baise. On essaie de vivre en accord avec la nature. Il y a aussi la solution de la partouze. Tiens, regarde, Marie-Jo, elle peut prendre son pied comme ça. Moi, j'ai pas besoin de deux mecs dans mon lit pour prendre mon pied. Ils sont fâchés. Non, mais ça, c'est normal, hein. Forcément, à trois, ça doit poser des problèmes, hein. Ah non, mais là, c'était pas pour ça, c'était pour une histoire d'appareil photo. Y'a plus l'agressivité. Salaud! Plus de conflits. J'ai perdu un mois avec une bande de faux culs de ringards miteux. C'est vraiment la vie rêvée ici. Mais